Et c'est la bête, c'est fini. J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour un petit tour sur ce petit Force Pokémon. On va voir ce que ça donne. Mes cadres ont bougé encore. Et c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, hop, c'est le côté. Donc, hors caméra, j'avance un peu la balade dans les coins. Je vais faire un peu les différents points d'accès. Donc les trucs pour pas pousser la magie, etc. Donc c'est pour ça que les équipements doivent pas être les mêmes à chaque fois, quoi. Wow. Hein? Attends, je flotte. Cela est sans doute lié à la densité de la brume. Non, sérieux? Cet endroit est tellement bizarre. Oui, c'est sans doute follement amusant. On peut y aller maintenant. Attends, je respire sous l'eau? Plus la brume est épaisse, moins les règles du monde normal s'appliquent. Après ça, je pense que plus rien ne pourra me surprendre. Il n'y a pas de danger immédiat en vrai. Il faut espérer que ça dure. Ouais. Me récupérer le mana, ça peut servir. Forteresse. Apparemment, quelqu'un a oublié de payer l'entretien. Le laisser aller y est sûrement pour quelque chose, mais c'est surtout une des conséquences de la brume. On a détruit un truc à gauche pour pousser pour les ressources. Celle-ci ne s'est pas totalement effondrée. Jetons un œil vite fait. Et voilà! De magie augmente. Moyenne, t'abuses sérieux? Cet endroit est spectaculaire. Je fais une photo avec un joli cadrage. Et on fonce. C'est fait. Ça fera l'affaire. Et on va voir ce qu'il y a dans la forteresse.
C'est un peu trop calme à mon goût. On trouve ça relaxant. Tu préfères te battre contre des bêtes de brume? Non. Mais dans les films d'horreur, tu vois, c'est toujours pile à ce moment-là que ça part en vrille. Qu'est-ce que je disais? Attention. Qu'est-ce que j'ai fait à ce dragon, bordel? Il en a vraiment après moi. C'est l'impression que ça donne. Mais je te conseille de ne pas l'affronter. Ouais, là je suis d'accord. La tenue rouge, il va bien, je trouve. Il me voit pas, il me voit pas. Joue à ça si tu veux, mais évite de te faire tuer. Calista King. Hé, hey, c'est la mère d'Oden. Let's go. Une de plus. Voyons. Qu'est-ce qu'on a là? Tu sais quel sort utiliser, non? Oui, alors ferme-la. On ne voit toujours pas le château de Sylla. Ça va être compliqué de passer par ces montagnes. Il ferait mieux de descendre dans la vallée et de passer par là. Laisse-moi deviner, t'as encore regardé la carte? Oui, et tu devrais essayer. Allez, je m'y mets. Utile. Voilà qui est hors du commun. Une pompette. Zoït, on va voir ce qui reste. Il est lent, non? Certes, mais c'est là le cadet de tes soucis. Fais quelque chose. Ah.
ici. La ferme, tu me fous les choses. Oh, les sbires aussi. J'imagine qu'il ne devait pas trouver dans tout Trailost à une époque. Ça s'annonce mal. Ouais. À me débrouiller. On dirait bien, en effet. Ha ah Ça peut me servir, ça. Je regrette cette fresque, ce manque d'animation, pas toi? Pardon, c'est de l'eau. Je t'assure, t'es une animation à toi tout seul. T'as pas mal, mon cœur. Si de rien n'était. Ça va faire mal. Ce lieu semble menacé. Ça ne t'a encore jamais arrêté. Allez, un petit donjon pour récupérer un stuff. C'est beaucoup trop tranquille ici. Ah, le calme avant la tempête. Hé, hey, approchez. Sauf si vous avez peur. Montrons-leur de quoi tu es capable. Oh, ça a l'air douloureux. Ça pourrait me dépanner. Quel enthousiasme! Génial! Je gère. Donne! Fatigué après cette prestation? Eh, je suis toujours fatigué. Tout est normal alors.
Non, ça c'est du bois, je vais dire. Qu'est-ce que c'est pour ce temps? Et c'est parti pour le boss. Ah, un boss qui vole. Fuis si tu sens que tu pars. Tu plaisantes pas là, hein? Je maîtrise. Ça doit calmer. C'est que j'ai tellement boosté le pouvoir que moi je vais dégager. Excellent résultat. Une arme ancienne. C'est quoi ? Attendez à trop. Qu'est-ce que ça me donnait? Oh, ah, joli quand même. Noir et doré, ça joli. Tac tac, équipement, on va voir la gueule de l'armure. Eh, ça booste quand même pas mal mon magie. Hein. Je gagne 2 points de magie. Nombre d'ennemis conférés en bonus de chargement. Bon, on verra. Je verrai selon ce que je peux améliorer. Quoi. J'ai pile ce qu'il faut. Tu avais envie d'un peu d'exercice? Je ne pourrais peut-être pas te protéger aussi bien que d'habitude. Génial, j'en ai besoin de ça. Pourrais-tu essayer de prendre moins de coups? Tu crois que j'ai des super pouvoirs ou quoi? On est encore assez loin, non? Pas tant que ça. Continue. En tout cas, tu viens de faire une prise.
adversaires, ça nous change de l'ordinaire. Youpi! Fais ce que tu sais faire de... Accélère en prenant appui sur le sol. Ah ok. Donc on a tous les pouvoirs de Fey, de base. Pour l'élément de la terre, entre guillemets, parce que c'est ce qu'elle contrôle. Oh, tous les pouvoirs. Petit jump, les bunny jump là, ils sont sympas. Je pourrais peut-être me poser ici pour un moment. Splendide. Quant à moi, j'ai hâte de me reposer. Te reposer de quoi? Pas chaud mon cœur. Et pas laisser passer. Comment on mène des recherches là-dessus? En risquant sa vie de manière inconsidérée. J'ai pas de la santé, par contre j'ai plus d'endurance, de plus de défense et plus de magie. Un petit tente. Prêt, accroche-toi. J'y crois pas. Impossible de savoir ce qui t'attend plus loin. Prépare-toi à tout. Ouais, merci pour les encouragements. Il s'en est passé des choses moches ici. Oui, et Sylla semble y avoir pris part bien trop activement. Il y a encore des avatars. On dirait que quelqu'un nous attendait. Eh bien, tu ne peux plus reculer. Tu sais ce qu'il te reste. Allez.
Endurance plus 100. Contente que ce soit fini. Presque. Avançons. Accroche-toi. Tu sais pourquoi je veux rentrer chez moi? Parce que j'en peux plus de ce sale endroit. Certes, ça a été peut-être un peu intense, mais... Intense? C'était un putain de n'importe quoi. Je suis peut-être SDF à New York avec un chat pour seule compagnie. Tu vois, je préfère encore être toute seule là-bas que passer une minute de plus dans cet enfer. Essaie de dormir un peu. Tout se sera calmé demain matin. Ouais, c'est ça, tu as raison. Je te rappelle quand même que je suis censé me battre contre une putain de tueuse demain. Merde! Tu te sens mieux ? Oh, pas vraiment. J'ai fait un cauchemar et tu vois, c'était pourtant mille fois mieux que ça. Cet endroit est très beau. Ouais. La destruction et la corruption sont des formes de création intrinsèques. Waouh, on croirait entendre un tueur en série. Pardon ? La destruction et la corruption sont des formes de création intrinsèques. Je ne parle pas comme ça. Si, tu parles exactement comme ça. Et toi, tu parles exactement comme ça. Ah, tu vois, moi aussi je peux jouer à ça. T'es vraiment débile. Tout le monde n'a peut-être pas la sensibilité ni la subtilité nécessaire pour apprécier la beauté inhérente au chaos. Bien sûr, Hannibal. Qui ? Ah, oui. Bingo !
Bon, avant de se mettre en route, on devrait jeter un œil au parchemin que Joe Eddy nous a donné. Enfin, nous allons... Désolée, je partage pas ton enthousiasme. Je dois trouver le bon angle. Sympa. Acceptable. Ah, eh ben, ils sont lâchés sur les fortifications, hein? Ce n'est pas très surprenant pour celle qu'on appelle la Tanta de la Force. Nous devons être prudents. Cette femme a affronté des armées entières. Comment on entre? Plusieurs milliers de personnes ont péri dans sa lave. Écoute, t'es pas obligé de... Elle s'est ensuite baignée dans le sang de ses ennemis. Ok, c'est bon. Personne n'a jamais dit ça. Je mets un peu de couleur. Ouais, ben arrête. Essayons d'abord par la porte. On est encore assez loin, non? Sans tant que ça. Il y a un truc là-dedans. Je peux le sentir. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Il se passe en effet quelque chose d'intéressant ici. Yes! Pas mal! Tiens-toi prête à te défendre. Ouais, je vais t'utiliser. Ça arrive! Ça a dû faire mal. Encore là, un gros! Plus résistant. Eh ben, c'est pas le cas. Voilà. Ah, oh merde, ils sont très nombreux. Tu sais ce qu'il faut faire. Je suis à fond. Le chemin se divise. Des choix, toujours des choix. Trace ta route. On y retourne. Quand tu veux. Ça doit calmer. Zéro effet. Je gère. Je n'arrive pas à croire que tu aies gagné.
Je pourrais prendre ça pour une insulte, mais je m'étonne moi-même. Ah! Encore un de ces trucs. Waouh, elle rigolait pas. Cette bataille semble avoir été une épreuve pour chacun des adversaires. Oh, est-il il t'as vraiment une rivière de perles quoi. Personne alentour. Tu as fait quelque chose qui leur a déplu? J'ai plusieurs idées. C'est un nombre gérable, non? Ouais, ce sera vite réglé. Oh là! C'est le moment! J'y vais! Fait. Voyons, qu'est-ce qu'on a là? C'est le château qui m'attaque carrément, d'accord. Pénible. Espérons que cela cache de bonnes surprises. Ah ! Tu tentes ta chance ? Je vais faire de mon mieux. C'est quoi ? On dirait du minerai.
Ok. Je vais pas laisser passer ça. Il y a un problème ? Il y a peut-être une entrée plus discrète que par la grande porte, non ? Tu n'aurais pas plutôt la frousse ? Non, j'apprends juste à ouvrir l'œil avant de charger. D'après le plan, c'est là que se trouve la salle du... Et c'est là qu'on trouvera Sylla. Voilà la porte. C'est un moyen d'entrer quand même. En espérant que ça ne grouille pas... Qui sait, avec un peu de chance, ils seront tous en manœuvre avec... Hé, cette falaise. D'après le plan, on dirait qu'un étroit sentier... C'est peut-être une autre entrée. Je m'attendais pas à ce que l'endroit soit si... mort. À ta place, je m'en réjouirais. Dépêchons-nous de trouver Sylla, veux-tu ? Pour en faire un trou. Carrément bien. Ouais, grande porte, on fonce dans le tas, hein, à l'ancienne. Qui est là ? Surnom les pauvres âmes qui vivent ici. Désolé, mais je dois passer. Voilà ! Ton avis ? Venant de toi. Banal, mais pas inutile. Ont provoqué la brume. Cela en a tout l'air. En tout cas, elle semble plus épaisse autour du château. Donc si on se débarrasse d'elle, on se débarrasse de la brume ? C'est une possibilité, mais je ne compterai pas trop là-dessus. Et pourquoi ? Elle semble assez épaisse. On peut peut-être éviter que cela retourne, mais de là, se débarrasser totalement, qui sait ? Pas très efficace. Attention! Une ouverture! Prends ça! Merde! En barrant la porte, ils empêchent Benant de la Tanta de la force. Il y a peut-être moyen d'entrer. Attends, il n'y avait pas un autre passage ailleurs. Tu l'as vu sur le plan toi aussi, non ? Oui, mais ce plan a été tracé il y a longtemps. Je doute qu'une telle faille existe encore après tout ça. Ça vaut le coup de vérifier, au cas où. Soit. Qu'est-ce qu'il y en a comme coffre là ? Dur de faire plus facile. Voyons. Qu'est-ce qu'on a là ? Laisse-moi deviner. Il y a des méchants pas loin. Tu as tout compris. Utilise chaque faille de l'ennemi. T'es enfin devenu un vrai méchant ? Le passage ne devrait pas être long.
comme je l'ai dit, ce plan est très ancien. Depuis, celui-là est sans doute intervenu pour trouver cette faille dans sa défense. Nous devrions peut-être repenser notre plan. Ou bien lever les yeux pour trouver le chemin. Vraiment, tu es sûr que c'est une bonne idée? Il n'y a pas de danger immédiat, on dirait. Je suis pas sur la montagne, mais il veut quand même s'accrocher à la montagne. Même syndrome que pour Assassin's Creed. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça m'arrive d'avoir raison. Tout cela pour combler une faille, ça laisse songeur. Allez, on va chercher où se planque cette salope. Il est lent, non? Certes, mais c'est là le cadet de ses soucis. Ouais! Pourquoi il a construit un château au sommet de cette putain de falaise? Probablement afin de dominer l'ensemble de ses ennemis. Sympa comme loisir. Pouvoir passer par là. Je dois rester vite. Vigilante. Quel trouvaille. Regarde-moi ces tableaux. Je regarde, et tu devrais faire pareil, il faut que... Ce sont elles, hein? C'était elles. Elles se sont retournées contre leur propre peuple? Tanta Brava en personne. Elle a l'air un peu sévère, mais juste au fond. La Tanta de la justice. J'aurais deviné. J'ai passé pas mal de temps face à des femmes comme ça. Tu es une hors-la-loi? J'en suis pas fière. C'est pas moi qui ai fait la société, mais il a fallu que j'y survive. Et voici Tanta Cinta. Waouh, elle est magnifique. Oui, elle possède en effet un certain attrait esthétique. Non, je parle de sa... C'était la Tanta de la... Ses yeux. Quelle tragédie. Mmh.
La vénérable Tanta Ollas. Elle a l'air brillante. C'était la Tanta de la sagesse. J'ai eu une prof comme elle, avec le même regard. Tu as été à l'école ? Tu me crois si tu veux, mais j'ai pas passé toute mon enfance à me forger une personnalité dure à cuire. On s'y tromperait. Scylla, Tanta de la Force. Mais tu le savais déjà, bien sûr. Ouais, c'est elle qui commande, ça fait pas de doute. Elle a l'air sacrément balèze. Très impressionnante. C'est pas étonnant qu'elle ait mené des gens au combat. C'est de la propagande. La défaite des Reddig. Ah ouais, c'était évoqué dans un des livres des archives. Alors les Atiens ont fait la guerre il y a très longtemps ? Oui, leurs adversaires étaient les Reddig, il me semble. Et les Tanta ont mené leur peuple au combat. Absolument. Et elles ont littéralement combattu en première ligne. Waouh. Elles étaient pas mal comme dirigeants. Alors, tu as l'impression d'en avoir appris plus sur les Tanta ? Ouais, un peu. Je crois. Parfait. Allons en rencontre. Frey ! Ce n'est pas un nom de démon. Je suis surprise que tu sois arrivé jusqu'ici. C'est impressionnant. C'est vraiment vous ? Ou vous êtes encore derrière un de vos pantins ? C'est moi celle que tu cherches. La seule et unique Tanta Scylla. Alors, je suis donc face à la tueuse d'enfants. Des morts lors d'une guerre, ce n'est pas nouveau. Génial ! Pas de guerre, pas de victimes ? Ça me paraît bien, ça. C'est le destin. Stupide. Naïve. Des guerres, il y en aura toujours. Non, le destin n'est pas un alibi. Mais vous et vos pions, vous vous foutez des dégâts. Vous avez tué une enfant. Une petite fille. Vous avez son sang sur les mains. Non. C'est toi qui as pénétré sur mes terres. Toi qui as déclenché ce combat. Tu ignores les règles et tu veux jouer ensuite les victimes ? Assume la responsabilité de tes actes comme j'assume la mienne. Faut pas me le dire deux fois. Oh ! Elle est où ? C'est donc ainsi que tu souhaites procéder. Ainsi soit-il ! C'est l'heure du duel. J'avoue que tu es rapide, démon. Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard qui t'amène ici. Voyons ce que tu as d'autre en réserve. Pas facile d'éviter les boules de feu. Ces piliers peuvent offrir une protection. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je croyais que vous étiez balèze. Vile démon ! Comment oses-tu souiller mon armure ? Tu vas le regretter ! Si vous avez pas mieux, je pense pas. Champion de Prenost, saisissez-la ! Vous vous cachez encore derrière vos sbires ? Moi qui croyais que les Tanta étaient puissantes ? Sottise ! Tu n'as encore rien vu du tout. Il est grand temps que tu découvres de quoi mes soldats sont capables. Nous ne reculerons pas. Pour Prenost ! Eh bien, qu'attendez-vous ? Tu es là ! Oh ! À quoi servez-vous ? Ça doit te calmer ! Roland ! Zéro effet. Tu as ébréché la superbe armure de Scylla. Et je ne compte pas m'arrêter là. Elle est pas contente, la vie. Tu vas brûler pour m'avoir humilié. Ha ha ha!
Ça s'annonce mal. Sa rage alimente son pouvoir. Eh ben, tu sais quoi? Elle est pas la seule à péter les plombs. Il est temps d'en finir! Dis-moi, démon, que penses-tu de ma lame? Elle est affûtée avec la chair de milliers d'adversaires. Oh, pitié, allez, c'est fini vos conneries, là! Allez, approche! Mon épée ne va pas tarder à s'abreuver de ton sang! Putain! Elle est balèze! Oh! Ta mort est... Oh! Très impressionnant! Mais grave, je suis pas venue ici pour perdre. Que se passe-t-il? Où est donc passée ta soif de vengeance? Ça va faire mal! Boom, bitch. C'était pour toi. On a débloqué le pouvoir de tentacule. Ça va? Tu es bien silencieuse. Je viens d'ôter la vie à quelqu'un. Mais pour une bonne raison. Les habitants de Sipal t'en... Je pensais vraiment que... Je voulais la punir. Je croyais que ça me soulagerait. Ce n'est pas le cas? Non. Ôter la vie à quelqu'un n'est pas une chose facile. Ok, j'ai buté des zombies de brume. Mais c'était pour me défendre. Là, je l'ai fait par colère. C'était prémédité. Tu devais te protéger. Elle n'aurait jamais cessé de te traquer. D'autres innocents auraient péri. D'autres Olivia. Possible. En tuer une pour en sauver plein, c'est ça? Exactement. Mmh. Crave. On le voit, magie.
si on essayait tes nouveaux dons? Oui, pourquoi pas. À présent, cherche des endroits où utiliser tes nouvelles compétences. Faut qu'on ait des yeux dans le dos. Comment? C'est pour dire qu'il faut pas qu'on ait de la merde dans les yeux. Ah, ça a l'air réussi. Cherche. Pas. Sois vigilant. Il peut y avoir des monstres. Des yeux dans le dos, hein? As-tu conscience que ce n'est pas nous les monstres ici? Perçois une présence hostile, sois vigilante. Ouais, je fais gaffe. Compris. Il va prendre la tour qui est là, je l'ai pas vu. Voilà les gars, et on va couper là, en espérant que ça vous a plu, je vous dis bien à la prochaine pour la prochaine vidéo, c'était Fenrir, ciao les cons. Surtout partager, liker et oublier.